Salut mes pilotes! Voilà, résumé de la journée aux écuyers, c'est une catastrophe totale. Et avec leur nouveau bitume là qui arrache la gueule, qui accroche vraiment beaucoup, du coup ma voiture, à la fin de la journée, elle a subi une petite défaite qu'on croyait une rotule de direction, mais non, en fait c'est le triangle. Le triangle qui a pété ici, voilà, la rotule extérieure là. La rotule dépasse un petit peu, donc je l'ai remis dedans. Et on va essayer de tenir avec une ficelle le temps de descendre du plateau juste. On a une nouvelle technique, en utilisant seulement du fil à retordre. Alors j'ai mis une ficelle comme ça, sur le triangle, qui remonte jusque et là, au-dessus de l'amortisseur. On va essayer de le tenir très fort, pour que le triangle tienne au moins debout. Je suis sûr que ça va marcher. Si ça marche, je passe cette vidéo. Bon, c'est bon, là, ça tient à peu près. Bon bah déjà pour descendre ça marche. Maintenant on va essayer de la garer sans trop tourner. Un petit peu comme ça. J'ai réussi à la garer jusque là. Ça a marché mais jusqu'à la dernière seconde. Donc le résumé de la journée circuit aux écuyers. On a commencé à réparer l'échappement toute la matinée. Et le soir on a pété une rotule. Voilà. Mais c'était la journée spéciale où Tom et Scott ont roulé pour la première fois sur circuit et avec ma voiture. Donc voilà, et on va voir ce que ça donne. Un petit résumé de 30 secondes. Voilà, je fais pas de vidéo je te jure. Journée de merde aux écuyers. Go. Ouais. Tom qui roule sa première sur un circuit avec un bitume de merde tout neuf. Thank you.
Scott. Salut Scott pour sa première dans ma 325. Bah, deuxième. Cédric Mana, hey. Encore une fois, on est là. Inséparable, tu vois. Bah oui. Yeah.
la musique de fin. La 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 la